Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de God of War Ragnarok, gameplay, partie 58. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Donc, lors de la dernière vidéo, toujours dans le même truc, hein, le cratère, les plaines, les dolines, machin, on est toujours emmerdé là-dedans. Sauf que là, on a changé de moment, puisqu'on est de nuit. Et du coup, de nuit, il y a forcément des zones qui se sont débloquées, et on va aller explorer ça tout de suite. Et forcément. Il y a des nouveaux ennemis. Eh oui. Alors. Je suis pas attaqué par le dragon. Et casse-toi le dragon là, tu. Ok, bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter direct. Parce que souvenez-vous, ici, il y avait une barrière. La barrière. Vu qu'on est passé une nuit, elle a sauté. Oh. Quel dommage. Une rivière coulait ici autrefois, donnant vie à une faune et une flore très diverses. Qu'est devenue cette rivière? Odin y est pour quelque chose, n'est-ce pas? Oui, il l'a barrée. Pourquoi s'épuiser à combattre l'ennemi quand on peut le priver de sa source d'eau? D'abord la sécheresse, maintenant des dragons. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Ah,
le dernier. Bon, qu'est-ce qui nous attend par là, là? Parce que... On y va, mais... Une chose imposante est passée par là. Attention. Qu'est-ce qui m'emmerde? Bien, il s'agit hélas du dernier poème de Vassil. Pourquoi ne pas écrire les tiens? Voilà un moment que je n'ai pas trempé ma plume dans l'encrier de la poésie, mais pourquoi ne pas m'y réessayer? Bah, c'est que son bras, ça va être compliqué un peu, non? Aussi, ceci explique cela, non? Oh non. Empreinte de dragon. C'est la bonne direction. Sans déconner. Peut-être que se jeter dans la gueule d'une bête affamée puisse être considéré comme la bonne direction. Exactement, Ymir. T'as tout dit. La chose qui a fait ses empreintes, elle a couché ses arbres comme des roseaux. Sois prudent. Je suis toujours prudent. Ah ! Oh, misère, tu es sérieux ? Oh, puis il y a un troll là-bas en plus. Bon, il y a un corbeau dedans qui est là-bas. Ah, il y a une Noken aussi, putain. Ah, il y a tout pour m'emmerder là. Un ogre, on ne passera pas tant que cette bestiole cherchera à nous assommer. Alors nous devons nous approcher. Ouais, bah pour le moment, on va être là. Merde. Attendez, là, je rêve ou... Oh là là. Comme si que deux zones ne suffisaient pas, hein. Comme si que les deux zones où j'étais, ça suffisait pas pour me perdre. Ah, puis bref. Et maintenant, puis le dragon, il est parti là-bas. Hein. Voilà cet air débarrassé d'une autre excroissance. Ouais. Un autre Wolver, sur la gauche. Oh putain. Oh, je les aime pas, eux. Ah putain. Oh,
Génial. Ok, j'ai récupéré. Qu'est-ce qu'il y a, petit champi là? Bon, de toute manière, on n'a pas le choix, faut y aller. Là, ils ont fermé les vannes. C'était une blague. Tu en es sûr? Moi, je trouvais ça drôle. Ouais. Voir cela de plus près, d'accord? C'est pas mal. C'est pas mal. Odin, nous pourrions atteindre l'autre côté de ce canyon si l'eau coulait encore au milieu. Ouais. Oh là, il y a 50 000 trucs à faire. Oh, des loups. Oh là 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 là, putain. Ça va exploser. Oh, j'ai fait le con. C'est bon. Si on ouvrait le barrage, est-ce que la rivière reviendrait? Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Ouais. J'ai galéré à ouvrir les portes, tout ça, mais... Je sais pas comment on entre. Alors, ben là je vais. Un élévateur. Je me demande s'il nous mènerait au barrage. Je sais même plus, moi. Pensez à ces créatures mourantes. Non, mais franchement. C'est... Ça me met en colère. Exploite-la, mais ne te laisse pas déborder. Encore des saïsra. Oh putain. Ah, c'est relou là, sérieux. Ce cristal aurait besoin d'un bain, tu crois pas? Ouais. T'as attaqué à distance. Moi.
Ouais, la connaissance. Je sais pas pourquoi j'appuie sur le carré. Ok, impardonnable, ça marche. Corbeau dedans, il y en a un là-dedans. Bonjour. Encore un Dreku. Il mangera tout ce qu'il trouvera sur son passage. Frappons-le. C'est le chant d'une Noken. Il est mignon, lui, avec sa petite tête, là. Alors. C'est la Noken qui soigne ces créatures. Oui, merci, je suis au courant, tu m'apprends rien, bonhomme. Voilà, c'est ça. Putain. Allez, dégage. Tu crois que la manivelle nous aiderait? Attendez, j'ai une histoire. Vous êtes combien? Merde. C'est une histoire de bataille. Celle d'une femme aux cheveux clairs affrontant le plus puissant de tous les dieux. Quelle femme? Développe. Mais les détails m'échappent. Je tenais ma chope d'hydromel et j'étais impatient. Oui, à l'idée de me réconcilier avec un vieil ami. Mais une terrible chose s'est produite. Je crains que cette terrible chose ne fût ton trépas, mon ami. Je sais que ce n'est pas tout. Trois bassins, je les voyais, tous les trois. S'il vous plaît, aidez-moi à me racheter près de mon ami. Aidez-moi à me souvenir. Heureusement qu'ils apparaissent devant nous. Heureusement qu'ils apparaissent devant nous au moment où... on récupère les trucs. Ces réponses ne sont peut-être plus près. Alors là, le problème, c'est que. Ah, je pourrais jamais aller là-bas, moi. Par contre. Ouais. Putain. Doit être débloqué. Oh, c'est cool. Peut-être qu'on peut accéder à d'autres livres. Je suis prêt à me saouler. Dans une prochaine.
Ok. Ah, puis il y a un cerf en plus à récupérer ici. Oh là 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 là. Le niveau de l'eau a baissé. Je pense qu'on peut traverser maintenant. Attendez. C'est trop intelligent, Atreus, dis-moi. Les Dreki se nourrissent ici. Venons-nous prêts. On n'aura pas le temps de tergiverser quand le combat sera lancé. Bon, bah, les amis, là, c'est sûr et certain, on va mourir. Hein. Allez, viens, mon pépé. Non, 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 tu restes là. Vous voyez, avec la fureur, je l'active, je le tape et il est stun direct. Avec la bravoure, c'est pas la même. Et la bravoure, c'est un peu chiant parce que du coup, je récupère de la santé, certes, mais... On va s'occuper de lui avant. Ah, je comprends pas. Comment... C'est quoi? C'est les deux, ils ont un pouvoir de... Ils ont un pouvoir électrique? Ça se passe comment? Putain. Ah là 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 là. Mal, mon frère. Tout va bien?
Ouais, ils ont tous les. Ils ont tous les deux des pouvoirs électriques, hein. Putain. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils sont chiants en mettre deux à chaque fois là. Putain. Ouais. Ferme-la, Mimia. Ferme-la. Je regarde où on en est au niveau du temps. J'ai essayé de me démerder sans activer les pouvoirs tout de suite. Enfin, quoi que. Oh, je suis dedans. Putain, c'est une blague. Oh la vache, Atreus il sert à rien complet, Atreus il fait aucun dégât, et moi je me demande à quoi ça sert d'avoir augmenté toutes les armes en fait. Sincèrement, je vais changer de rageux spartiate aussi parce que ça sert à rien, franchement, ça sert à rien. Pour me saouler la bravoure. Oh putain. Lâche tout. Oh,
Voilà, c'est ça, Kratos. Le barrage ouvert, le terrible Drake est mort. Cette jungle me semble en bonne voie pour retrouver sa splendeur passée. Et maintenant, père, tu ne crois pas qu'on devrait aller sauver? Maintenant, mon fils, hein. Alors, il est où ce putain de corbeau? Ben, surtout que le corbeau, là, je l'ai pas entendu, moi. Alors, pour les corbeaux dedans, levez bien la tête, hein, comme d'hab. Hein. Dis-moi. Non, je te dirai rien, laisse-moi tranquille. Non, ta chope. Moi la paix. Regarde, par ici, l'eau s'écoule. Tu as fait s'écouler l'eau. Pour accéder à d'autres endroits du cratère. Oui, mais comme l'eau est de retour, les plantes et les animaux vont aussi revenir. Nous avons guéri cet endroit. Ce n'était pas mon intention. Par tous les dieux, mon frère, fais un effort. L'eau coulant librement, de nouvelles voies s'ouvrent. Si nous faisions une balade. Une recherche. Pas de balade. Oh, arrête donc. Ne peut-on pas apprécier la nature pour ce qu'elle est, au lieu d'y chercher des trésors? J'aime bien les trésors, moi. Vous êtes indécrottable. Parfaitement intraitable. Ouais, bah j'étais persuadé que le corbeau il aurait été par là, mais non en fait. Je sais pas où il est. Ah, le corbeau il est au niveau du troll. Notre bonne action semble avoir sur la faune. Je crois que j'ai parlé trop vite. De ouf. Là, encore un de ces hôtels de Jo. Je suppose qu'on va devoir l'utiliser. Le dragon est perché sur cette structure. On cherche un moyen de grimper. À gauche, mon frère. Oh, God!
Quand je vous dis qu'Atreus ne sert à rien, c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, hein. Atreus ne sert strictement à rien. Vraiment. Atreus. Moi aussi j'ai revu Durlin. Quand nous avons forgé la lance, Odin est apparu. Il tenait Durlin et le menaçait. Cela peut attendre. L'heure est au combat. Oh, il y a une Noken. Vas-y, lâche tes loups, mon fils. Elle est où, cette connasse, là? Viens là, toi. Voilà. Allez, énerve-toi. Vous avez vu le nombre de coups que je lui ai donné? Putain. Je vais aimer des coups, je compte même plus, quoi. Ah, vas-y, c'est encore un que je dois sauver. Putain. Qu'est-ce que tu veux? Es-tu un père? Ouais, oui. Je suis un père. Alors tu dois comprendre. Ce jouet, c'était pour lui. Maintenant, il n'est plus. Ce jour, tant de chaos. Encore, je vous dis qu'on n'a pas fini dans cette zone-là. Je cherchais mon fils. Je t'en prie. Aide-moi à retrouver mon fils à Folkwanger. Vas-y. N'est-ce pas? Bah, on n'a pas trop le choix, Atreus. On n'a pas trop le choix. Des statues. Deux statues. Des dragons qui se tournent le dos. Séparés comme mon fils. Ce jouet me ramènera à lui. Son histoire est courante dans la vallée. Séparé d'un être cher par la mort. Nous devons le ramener à son fils. En effet. Vraiment? Je pensais que tu dirais quelque chose comme « Réunir les morts est futile ». Pas cette fois. Toi, le dragon, tu me fous la paix, hein. M'emmerde pas, hein. Oh, il y a 50 000 passages. Putain. Ah. Un chasseur vit ici. Il est imprudent. Pourquoi cela? Nous sommes chez lui. Je pense que c'est ici que la furie sauvage se repose. Nous devrions l'attendre en embuscade. Elle ne reviendra pas si nous sommes là. Elle est rusée. Et ici, normalement, il y a un corbeau dedans.
C'est ici qu'on doit venir. Putain, et puis ça faut s'en souvenir aussi, c'est pareil, parce que la furie sauvage, en fait, c'est un centaure. Et quand on va l'avoir suffisamment affaiblie, elle va venir se planquer ici. Et il faut s'en souvenir. Ah, ok. Non, vas-y, laisse-moi tranquille, le dragon, là. Sérieux, tu me rends ouf, là. Alors, attends, parce que du coup, j'en ai un. Ouais, c'est vrai. B... B, M, W. Ok. Donc... Ce jouet, il faut le reconstituer. Toi, tu me fous la paix, toi aussi. Alors là, j'en ai un. Deuxième. Il est où le deuxième? Putain. Là. Merci pour la truc. BM. Ok, donc là, là, il m'en manque un. Donc, 1, 2, 3. Oh, le troisième, je sais pas où il va être. Troisième, je suis sûr, il va être planté là-dedans. Ah tiens, qu'est-ce que je disais? Voilà, le coffre des normes, il est ouvert. Bon, on en est au niveau du temps. Ok les amis, on va se quitter pour aujourd'hui. Et bon là, la décision elle est prise. Je vais le faire de mon côté, tout le truc. Hein. Malheureusement, les corbeaux d'Odin, tout ça, machin, vous saurez pas, vous verrez pas où ils sont. Mais parce que là, je fais trop de vidéos sur la même zone en fait. Donc du coup je vais le faire de mon côté, je vais avancer de mon côté et on se retrouvera la prochaine vidéo, ça sera sur une autre zone, hein, plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Pour les abonnés, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne. Pour les non-abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, c'est histoire d'un clic. La prochaine fois qu'on se retrouve pour God of War, ça sera le gameplay partie 59. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Salut, salut les amis.